Et salut tout le monde, ici le Ch'ti Player et bienvenue dans le 14e épisode du Let's Play de Ratchet & Clank 2 sur PlayStation 2. Eh bien, je pense que j'en ai des choses à vous dire aujourd'hui, donc ça fait un mois que je n'ai plus fait de vidéo, donc depuis l'épisode qui a commencé le Let's Play de Alan Wake. Non, il n'y a pas de boulon là. Il s'est passé plusieurs choses. Donc bon, évidemment, je peux pas non plus... vous donner trop de détails parce que ça relève un peu du privé. Donc je peux pas vous donner beaucoup de détails. Alors on se retrouve sur la planète Todano que je vous ai sur laquelle j'avais terminé dans l'épisode précédent. Donc je rappelle, j'avais fait les deux points de compétence pour avoir sauvé les touristes robots et fait décoller toutes les roquettes que vous voyez là. Et j'étais allé jusqu'au point, de toute façon on le voit là, puisque si vous suivez le câble de descente, voilà, vous voyez qu'il commence là-haut. J'étais allé jusque là-haut de sorte à faire apparaître le téléporteur pour pouvoir remonter directement en haut. Ouais, je rappelle, je peux toujours casser les dômes jaunes là. Alors, voyons voir un peu comment ça se goupille. Alors déjà je vais prendre... Ah oui, en fait, petite chose à la fin de l'épisode, je sais pas si vous avez... La fin de l'épisode précédent, je sais pas si vous avez fait gaffe, en plus je vois que j'ai pas remonté mes munitions, c'est malin. Vous voyez que les saténoïdes, donc les saténoïdes, en fait, si vous les avez, si vous les avez avec vous, et que vous déclenchez un téléporteur pour aller ailleurs, vous les perdez. Ce qui est très intelligent comme système. Bravo, merci, hein, surtout que vous ne trouvez pas de saténoïdes dans les caisses de munitions, vous devez obligatoirement les prendre au vendeur Megacorp. Ceci est obligatoire. Y'a pas d'ennemis ici? Je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui me tombe dessus, mais... Tiens. Salut. Aïe. J'avais oublié que je perdais de la vie en touchant les... Putain, la collision, c'est pas ça. Ah bah, en voilà un ennemi. Sauf qu'en fait, il reste là-bas. Alors, regardez ce champ de force, je peux l'ouvrir avec l'infiltrateur. Donc, on y va. Donc, en gros... Ah, c'est pas par là. En gros, les raisons qui ont fait que... Voilà, quand le timer tombe à zéro, je reviens au point de départ. Donc, faut dire qu'après le tournage de l'épisode... Eh merde, c'est pas par là. Le tournage de l'épisode de Alan Wake, puisque cet épisode, c'est le dernier, l'épisode 13 de Ratchet & Clank 2, j'ai vérifié, c'est le 4 août. Hein. Ça remonte. Hein. Alors, attendez, je vais me concentrer un petit poil quand même. Voilà. Quand on est concentré, ça marche mieux. Je vais prendre le pistolet à lave. Alors attention, vous n'aurez pas remarqué, mais c'est des mines, ces trucs-là. Bon, je suis en train de prendre très cher, mais... Mais ça aille marcher. Sauf s'il y en a un deuxième. Putain, il me reste un seul PV. Putain, mais il va me tirer d'ici. Pitié. Tiens, prends ça. Mais il est même pas mort. Ah, par contre, le niveau d'anotech maximum, c'est appréciable. Putain, lui, il faut combien de roquettes? Putain, mais il y a des écureuils, ils sont increvables, quoi. Alors... Non. Je me disais, attends, l'objectif c'est d'arriver là. Ouais, d'accord. Pourquoi y a-t-il un ce creux? Ça ne sert à rien. Pourtant, ça aurait été une bonne place pour un boulon platine, quoi. Oui, donc en fait, l'objectif de chemin que j'ai pris, c'est de t'apparvenir là au-dessus. Pour vous donner une petite idée du. Ah, j'ai plus qu'un seul saténoïde. Ben voilà, j'en ai plus aucun. Voilà, j'allais dire brûle dans les flammes de l'enfer. Donc, je vais finir par expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, après le dernier tournage de qui a été consacré donc à Alan Wake, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... Putain, mais je me suis encore fait avoir. On a commencé à rentrer dans les périodes de très forte chaleur. Donc, tourner dans les très forte chaleur, c'est pas très possible, quoi. Parce que non seulement il fait une chaleur insupportable, mais en plus de ça... je vais y arriver. En plus de ça, bah, il faut mettre le ventilateur en route. À côté, vous avez aussi... Putain, merci.
Vous avez aussi la ventilation du PC qui fait un bruit de malade mental. Je vais utiliser une arachnorobot, tiens. Tiens. Eh, hey, one shot en plus. J'allais dire très mauvaise idée d'avoir déclenché l'arachnorobot en étant positionné là. Hop. Et on va se prendre le dernier. Voilà, ah, plus personne. pourquoi? Ah bah, j'allais dire pourquoi les teams infiltrateur là. Bah regardez, il y a un ascenseur juste au-dessus en fait. Donc ça c'est pour récupérer un boulon platine si je fais pas erreur. Enfin un boulon platine ou un nanotech. Oh putain, regardez le nombre de... Oh c'est chaud. Attendez, je vais me concentrer parce qu'il est chaud celui-là. Oh joli. Ah la caméra évidemment elle a un problème parce que voilà l'ascenseur lui tombe dessus. Et ah c'était un nanotech, c'était pas un boulon mais bon ça revient au même. C'est quand même un secret qu'il fallait trouver. Alors. Oh putain, c'est quoi ce brouillard là? Tiens. J'étais sûr qu'il y en avait un autre. Au moins un autre. D'ailleurs je crois même que... Vous voyez ces petits ronds verts là? Bah en fait c'est des générateurs et en fait il faut en tuer un certain nombre avant qu'ils arrêtent d'apparaître quoi. Efficace ce lance-roquette. Y'a pas à dire. Je sais même plus du nom déjà, j'ai déjà oublié, vous imaginez. Putain, y'en a encore. Vous inquiétez pas, je sais que ça s'arrête au bout d'un moment. Là, on va rappeler que celui tout à gauche, il génère plus déjà. Je crois que c'est bon. Ah, ça me donne des boulons à la peine, je vais bientôt atteindre... Putain, encore 20 et j'attendrai les 100 000 pour le super rebondisseur. Je suis où là? Oh putain, j'ai trop zoomé là. Mais je vois, on dirait qu'il y a des espèces de brouillard là. Ouais, là, de toute façon. Ça s'appelle tout simplement le lance-mini-roquette, mon vieux. On voit que ça fait un mois que j'ai pu toucher au jeu pour plus me rappeler du nom des armes. Bon c'est fini là parce que j'ai plus qu'une seule roquette. Et évidemment c'est pas fini. Bah alors, du coup bah j'ai pas le choix, je vais devoir utiliser une arme déjà évoluée. Hein. Ça y est. Alors on passe avec le hop. Voilà parfait. Ah, une porte à l'infiltrateur. Donc oui, donc on est... Donc je vais y arriver. De toute façon, vous me connaissez. Vous me connaissez, je vais y arriver à dire ce que je veux dire. Donc, il y a eu les jours fortes chaleurs. Donc, quand il y a... Oh putain, non. Pas ce truc-là. Putain, fais chier. Ah, quoi que ça dit, bah, j'ai récupéré 5 roquettes, mais bon... Ah, quoi que normalement, c'était 3 roquettes, je crois qu'il lui fallait. Non, 4. Putain. C'est vrai que j'oublie que je peux casser les caisses comme ça. Hein. J'y pense rarement. Donc dans les fortes chaleurs, vous avez la ventilation du PC qui fait un bruit de fou. Faut mettre le ventilateur en route. Le problème. Et ça c'est un peu une déception que j'ai sur ce micro casque là, mon Logitech G430. C'est que le micro du micro casque, c'est un micro où vous entendez tout ce qui se passe. Angela Cross appelle Ratchet sur la fréquence sécurisée 7 Echo Foxtrot. Ici Ratchet. Angela, c'est votre nom? Ratchet, vous avez donné un surnom? Ah oui, vraiment? Je vous appelle pour vous dire que les Tug Forless ont pris le contrôle de mon labo volant. Mais les Tug ne travaillaient pas pour vous? Avant, si. Mais apparemment, quelqu'un leur a fait une meilleure offre.
Ah, croyez-moi, entre les Thugs et le proto-animal, cette galaxie court. Attendez, vous avez dit proto-animal? Oh, oui, c'est le nom qu'ils ont inventé pour le cobaye. Tenez, regardez ça. Pourquoi Billy est-il si triste? Il a froid? Faim? Ou bien il se sent... Oh non! Pas lui, non! Seul? Non! Je vous présente le proto-animal Megacorp. Votre enfant va exploser de joie lorsqu'il fera la connaissance de notre ami. Vous voulez jouer au ballon? Ou à chat perché? Vous vous cherchez un ami? Le proto-animal est là! Vous voulez jouer au gendarme et au voleur? Au secours! Police! Vous savez à qui vous adressez? Vous n'avez qu'à demander à Billy. Le proto-animal Megacorp! Procurez-vous-en un sur la planète Boldan gratuitement auprès d'Abercrombie Fitz Widget! Vous voulez dire que ce truc est un animal domestique? Megacorp entend commercialiser un tueur? C'est tout simplement invraisemblable. Exactement. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. La galaxie tout entière pourrait bien disparaître si ce monstre était commercialisé. Il faut qu'on réussisse à joindre Monsieur Fitzwidget. Ah, si vous pensez qu'il va vous écouter, il doit se trouver sur la planète Boldan. Je télécharge les coordonnées. C'est peut-être notre dernière chance. Si tu savais, Ratchet, à quel point t'es optimiste. Bref. Donc ça m'a interrompu cette cinématique, donc je me souvenais plus qu'elle intervenait à ce... Parce que... quoique non, je dis des conneries, le point d'intérêt, je suis en plein dessus, donc... En fait, tu vas me dire, c'était ça, le point d'intérêt, c'était d'avoir la cinématique? Merde, je croyais qu'il y avait un truc à récup, moi. Bon, du coup, nous revoilà ici, hein. Pendant que j'arrive pas à sauter. Il y avait pas un vendeur dans le coin, histoire que je me recharge un peu, quoi. Si... Qu'est-ce que tu fous, là, toi? Mais il y a pas d'ennemis, normalement, là. Surtout pile à côté d'un vendeur, quoi. Bon, alors, déjà, je vais acheter le super rebondisseur. Allez, vas-y, pas de problème. Donc il reste quoi? Il faut que je rechope 150 000 pour la bombe. Putain. Et 120 000 pour l'over bomber. Je sais plus si je vous l'avais montré dans le vendeur la dernière fois cette arme. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il me faut aussi d'autre? Il faut que je recharge les... Hop. Voilà, 1200 boulons pour recharger l'arme en complet. Oups. Ah bah ça s'est rechargé avec les caisses de munitions, celle-là. Voilà, et c'est tout. Alors bon, dès qu'il y aura un ennemi, je vais vous montrer comment marche le super rebondisseur. Alors je vais tout de suite éditer le sélection rapide. Quoique en général, j'aime bien les garder ces deux-là, même si c'est des armes déjà évoluées. Après j'ai quoi? Le swinger, la dynamo. Ah mais la dynamo... je crois d'ailleurs que je vais même tout de suite, parce que je sais que je vais en avoir besoin, mettre le tractofaisceau à la place de la dynamo. Bon, écoutez, je vais quand même mettre le super rebondisseur à la place de mini-atomiseur. Tant pis, on va changer un petit peu nos habitudes. Donc maintenant, je vais prendre ce chemin-là. Avec encore des ennemis. Ah, il y a des ennemis. Voilà, je vais pouvoir montrer le super rebondisseur. Donc attendez, j'attends qu'ils viennent. Approchez-vous un peu. Voilà. Putain, t'aurais pu tuer le dernier quand même. Hop. Wow, je pense pas que ça va aller aussi loin ce truc. Ah, c'est les caméras bougées que j'entends, je me dis c'est quoi ce bruit électrique. Donc entrons, voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait le tracto-faisceau. Ah, je ne me souvenais plus que ça faisait mal aussi. Mais tout fait mal en fait dans ce monde. Enfin dans ce monde, dans cette galaxie. Tu utilises le tractofaisceau, vise les objets pour mieux les placer. Pour viser, maintiens la touche L2 ou la touche R2 enfoncée tout en courant. Oui, alors ça fonctionne comme les armes. Le fait de pouvoir straffer. Merde, peut-être que j'éloigne un peu. En fait, faut que je me serve voilà, de ça pour bloquer le rayon. Et je peux passer. Ah, notre robot préféré. Ça fait des drôles de bruits ces trucs quand même.
vraiment des bruits très bizarres. Alors on y va. On va bloquer tout ça. Ah la caméra. Alors regardez, vous remarquez qu'il y a des moutons qui traînent. Vous allez vite comprendre. Alors toi, viens avec moi. Ah mais non, je vais peut-être détruire les caisses d'abord. Afin qu'il m'ouvre la porte, voilà. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de lui derrière. Alors, vous aurez remarqué que les colonnes n'ont pas la même hauteur. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour pouvoir chercher un petit secret. Ah, j'ai tué le mouton. Meurtrier. Mettre les deux à côté de l'autre. L'un à l'une à côté de l'autre, je voulais dire. Et hop. Petit secret. Façon, regardez. Ah, je vais même avancer un peu. Vous voyez que c'est en gris, hein, donc normalement c'était pas cartographié. Alors je souviens qu'ici il va y avoir un putain d'ennemi qui va débarquer. Je vais mettre le circuit de vide aussi. Allez viens, je sais que t'es là. Ça c'est ce qui s'appelle un règlement de compte en règle. Captain Quark, contrôle qualité du super électro-gadget en cours. Le marteau de la puissance ne détecte aucun défaut. Ratchet de Veldin, je savais que ce jour viendrait. Tu peux faire ta prière, mon vieux, car je vais t'écraser au nom du Capitaine Quark. Doucement, à nous deux. Je tombe noblement sur le champ de bataille. Achève-moi l'Opax! Allez, Clank, on continue. Attendez, vous avez humilié le plus grand des super-héros de tous les temps. Vous avez une dette envers moi. Qu'attendez-vous de nous, monsieur? Que diriez-vous d'un truc quark sympa venu de votre galaxie? Je vous l'échange contre ce magnétiseur d'armure. J'imagine que ce dispositif permet d'attirer les boulons. Ouais. Et j'ai besoin d'une statuette de quark que j'ai pas, évidemment. Bah, c'est pas drôle. J'avais oublié ça. Ok, l'animation, c'est pour les chiens. Putain, mes bandes de rapia, quoi. Bon, heureusement, vous avez vu, cette nuit, ils ont quelques petits problèmes à passer le haut des portes. Et normalement, voilà, au fur et à mesure que je vais me la dire, vous allez voir qu'ils vont réapparaître autour de moi comme... Voilà, ça y est. C'est Joséphine dans le gardien le machin. Alors tout ça pour récupérer un petit magnétiseur. Allez, on prend la suite. Vas-y, tue tout le monde. Bon, je vais quand même t'aider un peu. Hop. Ouais, faudrait peut-être que je finisse de vous expliquer. Pardon. Ouais, c'est génial, il fait chaud et moi je tousse. Alors ici, il faut juste déplacer le missile avec le tracto-faisceau. Une fois qu'il est placé, faut se barrer. Donc, les fortes chaleurs déjà expliquées. Que j'avais arrêté de faire des vidéos parce que c'était franchement intenable. En fait au moment, il y a eu un moment au tout début du mois de septembre où la chaleur s'était calmée et je t'ai dit bah tiens je vais pouvoir retourner quelque chose. Et puis bah là est intervenu un conflit personnel qui a fait qu'en fait qui a poussé en fait à ce que je me mette en quête. On se croirait dans un jeu vidéo. Je dis ça, je me mette en quête. D'un nouveau logement. Donc ce qui fait que j'avais remballé une bonne partie de mes affaires. Donc bah du coup le. Du coup j'avais le PC qui me sert pour les vidéos, j'avais tout remballé et tout. Donc bah forcément pour tourner c'était un peu compliqué. Bon,
Après, vu que ça s'est un petit peu calmé et que c'est devenu moins pressant, on va dire ça. Mais merde, je fais n'importe quoi quand je vous parle. C'est pour ça, des fois, je vous explique pas en jouant, parce que je fais n'importe quoi. Mais j'ai tiré à côté. Ça y est. Bon, toi, je vais avoir besoin de toi pour mettre sur des... sur un détecteur de robots. Alors, il me semble déjà que si... que je dois pouvoir aller chercher un autre secret si je monte là-dessus. Ah, trop près, trop loin. Hop. Hop. Ah, mais non, pourquoi t'as fait un saut mural? D'accord, bon, je vais utiliser le... Je pensais qu'en faisant un simple double saut, ça marcherait, mais... Voilà, ça y est. Donc maintenant que je suis sur le tapis roulant, vous remarquez le trou qu'il y a là. Hop, on va lancer. Il faut que je lance une arc de robot dedans. Comme ça, elle peut passer. Je me souvenais plus que le tracé était aussi long. Voilà, un boulon platine. Hein. Et pour pouvoir aller le chercher avec Ratchet, il faut... Voilà. Coucou. Maintenant, j'ai plus qu'à monter sur le tapis supérieur et y aller. Putain, mais ils ont vraiment oublié les animations aujourd'hui. Ou bien c'est parce qu'ils considèrent que le lieu est trop exigu pour faire joujou avec la caméra. Voilà, maintenant je vais pouvoir déplacer le bloc au tracto-faisceau. Enfin bref. Toujours est-il que le... Enfin, ce qui s'est passé entre temps est lié au fait que j'avais désiré m'offrir un bureau de taille un petit peu plus imposante pour poser mon PC dessus, parce que j'étais vraiment un petit peu à l'étroit comme j'étais. Et le problème, c'est que celui sur lequel j'étais posé mon PC jusque là, bah, j'avais prévu de le refiler, puisque voilà, hein, quelqu'un d'autre avait besoin d'un petit bureau, donc j'avais décidé de donner le mien. Et le problème, c'est que je n'ai pas pu installer le nouveau. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que techniquement, je n'ai plus de bureau. Donc si vous pouviez voir là, comme maintenant, sur quoi le PC est posé pour que je puisse tourner un petit quelque chose, quoi. Alors vous avez vu ici, les blocs hauts sont pas à la bonne hauteur. Donc il faut que j'inverse les deux missiles. Alors, heureusement, ils avaient prévu le petit écart. Non, je voulais pas avancer, voilà. Bon, vous inquiétez pas, il attend que je les ai tous placés pour déclencher l'explosion. Voilà, on peut continuer. Alors vous voyez qu'il y en a encore un là. Alors là, vous allez voir, ça va être assez spécial. Là, vous voyez qu'il y a un tapis roulant ici. Et là, il y a le sol, sauf qu'il y a des rayons laser pile au niveau du sol. Donc, si j'essaye de passer comme ça, je me fais cramer. Sauf si je fais ça... Il faut que je place la colonne sur le tapis roulant. Et ben... Mais c'est n'importe quoi, je vais crever. Alors, il me remet là, mais c'est n'importe quoi. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça avance, ce truc? Eh, les caisses sont revenues. Je vais faire du ramassage de boulons. Voilà. Donc bah du coup là, j'avais décidé de réinstaller le PC du mieux possible. Ah, je l'ai pas posé tout à fait dessus là. Du mieux possible, histoire de pouvoir Voilà. Alors j'ai juste prendre mon arme. Voilà. Bon, je suis tout le monde. Oui, je fais du lancer de clé parce que la clé est magnétisée pour choper les boulons. Donc revoilà des moutons. Et revoilà encore des missiles à bouger. Sauf que là... Alors, celui-là doit aller... Donc ce qu'il faut faire, c'est... avancer celui-là. Ensuite celui-là.
tout à droite. Voilà. Ensuite, celui-là, je le ramène à gauche. Pendant que je fais des acrobaties et Cratchit, vous aurez remarqué. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que dès que je maintiens la touche de strafing, en fait, le fait de sauter, ça lui fait faire des... Ah, pas en avant, mais en arrière, ça lui fait faire des saltos. Et pareil pour les côtés. Il n'y a que devant que ça lui fait pas de salto avant. Et ouais, salto, le salto avant, c'est pour les noobs. Ah mais merde. Je l'ai pas mis assez à droite. Voilà. On s'éloigne. Oh putain, encore un coup de laser. Ouais, sauf que là c'est pas pareil. Regardez, le laser et le tapis roulant est au milieu. Et ça c'est bas. Donc en fait cette fois-ci il faut que je place sur le tapis roulant et que je monte dessus. Ah, je m'en doute et je m'y attendais à ce troll. Bon, heureusement le tapis roulant, voilà, il fait des allers-retours. Voilà. Je suis où? Ah, il reste encore un petit passage. A mon avis, ça va être un petit passage bande d'ennemis. Oh putain. Je tombe directement dessus, donc oui, c'est un passage ennemi. Aïe. Pendant que les synthoniseurs s'occupent de ce... Ça y est, c'est fini. Putain. C'est la guerre, on vous dit, c'est la guerre. Enfin bref, donc toujours est-il que du coup, bah, le PC, en fait, je l'ai réinstallé avec le minimum syndical. C'est-à-dire, en fait, il y a juste une unité centrale, l'écran, un clavier et une souris. Voilà, j'ai plus la webcam, bah vu que j'ai pas remonté les enceintes, bah j'ai mis une pauvre enceinte Bluetooth que j'ai à la que j'ai chez moi. Histoire de quoi. Ouais, j'ai récupéré une arme, le Moutonator. Vous vous souvenez du Morphorayon? Voilà, je cherchais le nom. Eh ben le Moutonator, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on va pas transformer les ennemis en poulets, on va les transformer en moutons, d'où tous les moutons qui sont là. Bon, évidemment, les moutons pourraient être un gros meurtrier et les tuer. Ah! Putain, débarquement. Donc en fin de compte, on peut croire que peut-être s'il y avait peut-être vraiment des... Mais d'où ils sortent ces ennemis? Je me souviens pas qu'ils étaient là la dernière fois. Ouais, je casse tout, vous avez vu? Voilà, je suis fort. Alors, on va recharger tout ça. On a encore 8000 boulons dans l'escarcelle. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai pas trop utilisé. Bah, il y a pas beaucoup d'ennemis, mais j'ai oublié de me servir un peu du rebondisseur. Voilà. Donc en bref, du coup, toujours est-il que maintenant le PC c'est minimum. Et au moment où j'étais prêt, donc il y a peut-être de ça une semaine et demie, hein, que j'étais prêt à retourner quelque chose. Et puis là, nouvel épisode de grosse chaleur. C'était pas possible. Franchement, tourner par grosse chaleur, c'est pas possible. Le problème, c'est que avec la ventilation du PC et le ventilateur, si je décide de tourner quelque chose, bah avec le micro du casque que j'ai là, on entend tout ce qui se passe. Donc vous allez entendre la ventilation et tout. C'est pas vraiment génial niveau qualité. Donc du coup encore, là ça a baissé. Bon, il fait encore un peu chaud, mais attendez, de toute façon je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que sur le mur devant moi, il y a un petit thermomètre. Je vais pouvoir vous le dire. Donc là, le ventilateur est éteint, mais la fenêtre est encore ouverte. Et ben il affiche encore 28 degrés ce bazar. Putain. Alors c'est mieux, hein, puisque au début de la semaine, enfin encore hier soir, c'était 36 qu'il y avait sur le thermomètre, vous imaginez? 36 degrés dans une chambre où vous devez dormir. Bah putain mon cochon. Donc alors maintenant on s'en va, donc on peut aller sur la planète Boldan. Mais en fait, heureusement que je me retourne pour voir que j'ai atteint la demi-heure. Non, parce que maintenant l'écran du PC il est derrière moi.
Donc je pourrais aller sur Silver, sur la planète Boldan à Silver City pour récupérer le fameux proto-animal, enfin, ou parler à Monsieur Fizzwidget. Ou sinon, dans les commentaires, on m'a dit aussi, retourne sur la planète Ouzla maintenant que t'as les bottes gravitationnelles. Effectivement, sur Ouzla, il y avait un petit passage qui était vers la fin. Où il y avait besoin des bottes gravitationnelles pour monter, enfin monter en hauteur en général, oui, c'est en hauteur que monter, c'est en hauteur, oui, bien vu. J'hésite à le faire maintenant parce que en fait je sais ce qui m'attend et je pense qu'il faudrait que je sois un petit peu plus préparé. En même temps, le bonus qui s'y trouve, il serait tellement pratique. Franchement, j'hésite. J'ai une petite hésitation. Non, je pense que je vais avancer encore un petit peu. Je vais aller sur Boldan et puis de toute façon, on se retrouvera sur Boldan pour le prochain épisode, hein, puisque là, on n'a plus le temps. Écoutez les Tug Forless. On a du pain sur la planche, alors soyez attentifs. Megacorp a fait appel à nous pour protéger son PDG, Monsieur Fitzwidget. Il le trouve un peu loufoque vu son grand âge et craint pour sa sécurité. Fitzwidget est un peu vieux jeu, alors je veux que vous vous occupiez de lui avec... la fierté et la courtoisie dont nos clients raffolent. Aussi, faites bien attention à ces deux personnages. Je souhaite personnellement qu'ils disparaissent de la galaxie. Alors, j'offre une pizza à l'équipe qui leur mettra la main dessus. Et n'oubliez pas que la boisson et le dessert sont aussi pour moi. Terminé. Oui, donc je disais que ce que je voudrais pour aller faire le défi qui m'attend sur Ouzla, oui parce que c'était un défi, c'est avoir un petit peu plus de vie. Et ceux qui savent de quoi ceux qui savent de quoi je parle, ils comprendront tout de suite. Hein. Parce que bon, au niveau armement, je pense que j'ai pas trop à me plaindre. Hein. J'ai quand même une petite série d'armes. Surtout que j'ai quand même les synthénoïdes. Ah oui, par contre le moutonnateur aussi, il faudrait le mettre sur le... Vous savez, j'avais oublié que le moutonnateur peut évoluer. J'avais oublié. Donc je disais, niveau armement, je suis quand même assez fourni, donc ça devrait encore passer de ce côté-là. Mais c'est vraiment niveau vie qu'il m'en faudrait un poil plus, quoi. Ah bah voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là-dessus sur cet épisode. Donc pour le prochain épisode, nous nous occuperons de la planète Boldan, sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Je vous montre quand même, avant d'arrêter l'enregistrement, je vous montre quand même la carte. Là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à voir, en fait. Hein. Il y a... un seul point important. Puis sinon, bah voilà quoi. Enfin, je me souviens que sur cette planète, le début de la planète est un petit peu chiant à faire. Mais après, ça passe. Hein. Après, ça passe crème. En bref. Donc, du coup, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Et puis, bah, j'espère que pour l'instant, je vais pouvoir reprendre un rythme de vidéo correct. Ce qui serait cool après un mois d'arrêt. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus pour cet épisode. Je vous dis ciao et à la prochaine.